Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire va inaugurer, en septembre prochain, une nouvelle base logistique de 9000 m². En septembre 2022 prochain, Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire, BTLC, va inaugurer, dans la zone aéroportuaire d'Abidjan, une base logistique moderne d'une superficie totale de 9000 m². Infrastructure moderne conçue pour renforcer son offre de services liés à l'importation et l'exportation de marchandises par voie aérienne, la nouvelle base logistique moderne de BTLC est une infrastructure dont la réalisation a nécessité 18 mois de travaux et un investissement de 3,4 milliards FCFA. La réalisation de la base logistique de BTLC a nécessité 18 mois de travaux connectés à l'aéroport international et à la ville d'Abidjan. Ce hub logistique comprendra une zone d'exploitation de 7500 m² et 1500 m² de bureaux. Il abritera également un entrepôt de 3500 m² doté d'équipements modernes tels qu'un pont bascule, un niveleur de quai, une fosse de palettisation et une chambre froide. Lire aussi FEMUA 2022/, la 14e édition prévue du 10 au 15 mai, l'employabilité des jeunes focalise les attentions au sein de la nouvelle plateforme construite par BTLC, des aménagements seront par ailleurs réalisés pour faciliter le conditionnement des produits pharmaceutiques et offrir un stockage à valeur ajoutée pour tout type de frais, notamment les denrées périssables destinées au marché ivoirien ou aux pays européens. Services de la base logistique. Les différents services de la base logistique seront assurés par les équipes en charge du fret conventionnel et du transport express installés à proximité des sites d'exploitation. Lire aussi Côte d'Ivoire, Bolloré Transport et Logistics s'engage dans la prise en charge des enfants stomisés. Cet investissement fait partie des projets structurants dans lesquels nous nous sommes engagés depuis quelques années pour moderniser les infrastructures logistiques en Côte d'Ivoire. 2 ans après l'inauguration de l'aérohub, nous nous apprêtons à mettre en service une infrastructure moderne nous permettant de répondre aux besoins croissants de notre clientèle et de renforcer notre rôle de hub logistique régional, a déclaré Joël Ounsinou, directeur général de Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire.